Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. Attention, c'est vidéo, c'est tous abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, n'est pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, attention, c'est vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Wow! Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn! Vous le savez, c'est extraordinaire! Aujourd'hui, ce dont nous allons vous parler, si vous avez bien regardé dans le titre, vous le savez, ça va être chaud. Alors, sautez un peu! Parce que nous ici, nous sommes à jouer ce matin! Let's go! Wouh! Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et ce que vous regardez cette vidéo. Cette vidéo vous aidera à comprendre beaucoup de choses, même des choses incroyables. Franchement, ça va vous étonner. C'est un témoignage d'un collègue youtubeur sur lequel nous sommes tombés hier. Franchement, qui nous a étonnés, qui nous a même touchés. Et après analyse, nous avons découvert des éléments importants dans ce témoignage et nous avons décidé de vous raconter également ce qui s'est passé afin de vous sauver, mes frères et sœurs, de vous garder pour vous tout simplement, vous amener à ne pas faire des choses qui pourraient mettre votre vie en danger. Mes frères et sœurs, dans la vie là, ne cherchez pas à ressembler aux autres. Si ce que les autres font là, ça peut vous arranger, si c'est bon, si ça va dans le bon sens, vous pouvez le copier, c'est pas mauvais. Vous pouvez le copier dans la mesure où ça peut vous sauver la vie. Mais si les autres, ce que les autres font peuvent mettre votre vie en danger, qu'est-ce qu'on doit vous dire? Évitez. Qui va vous dire allez, jetez-vous dans la mer, ou bien jetez-vous dans le feu, alors que le feu peut vous faire du mal? Personne. Ici, voici une personne qui va tout simplement voir des personnes célèbres. En fait, elle va découvrir que dans son temps, il y aura des personnes célèbres comme des stars, toutes ces personnes. Et elle aussi, elle va se demander même comment est-ce qu'elle peut faire pour devenir célèbre rapidement et avoir la richesse rapidement aussi. C'était ça sa préoccupation. Et elle cherchait tous les moyens qu'il faut pour pouvoir parvenir à ses frères. À un moment donné là, elle a compris que, ou encore elle a entendu parler de ce qu'ils ont fait. Et elle a entendu beaucoup de personnes raconter sur les réseaux sociaux que il y a beaucoup d'artistes célèbres ou encore beaucoup de stars qui ont vendu leur âme au diable pour la richesse et il y a beaucoup d'avantages en le faisant. Donc elle aussi, elle a dit mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas aussi vendre son âme au diable? Qui sait, peut-être ça va l'arranger. Quoi? Mes frères et sœurs. Et elle cherchait maintenant les moyens. Donc, comment faire pour pouvoir vendre son âme à Satan? Et voici qu'un jour, une nuit, elle s'est rendue sur la plage. Il n'y avait personne ce jour-là. Elle était seule sur la plage et tout à coup, elle s'est mise à crier. Elle a dit: je suis prête à vendre mon âme au diable. Elle a crié comme ça trois fois sur la plage à voix haute, mes frères et sœurs. Hey! C'est là même le danger. Qu'elle a fait ce que nous venons de faire là. Vous savez ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. À l'instant, rien ne s'est produit. Rien! Mais vous savez que là,
L'homme a un pouvoir. L'homme a deux pouvoirs. Son premier pouvoir là, que moi je sais là, ça se trouve dans son sang. Le sang de l'homme là, c'est un pouvoir dedans, un puissant pouvoir. C'est pourquoi le diable aime beaucoup les sacrifices humains. Mais le deuxième pouvoir qui est en l'homme, que beaucoup de personnes négligent, c'est les paroles. La puissance de la parole prononcée à haute voix comme ça là, ça a des dégâts. Ou encore, ça a des effets. À plus forte raison, quand nous sommes regardés ou encore observés par les gens du monde des ténèbres, ça veut dire que quand nous marchons là, nous sommes observés depuis le monde des ténèbres par Satan et ses démons, depuis le ciel par Dieu et ses anges. Les deux entités nous regardent, nous observent pour voir comment ils peuvent venir à notre secours ou encore nous compliquer la vie si ce sont les démons. Et toi, tu vas comme ça ouvrir la bouche pour dire ça, que va-t-il se passer? Vous allez voir! Vous allez comprendre ici. Vous allez comprendre. Yannis Kouban est né pour sauver des vies, pour sauver des âmes, ouvrir les yeux aux humains, leur permet de comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous allez voir des choses qui vont vous étonner. Quand elle a fini ça, quelques temps plus tard, elle se préparait à dormir chez elle à la maison. Pendant qu'elle se préparait à dormir, là, voici que la porte de sa maison qui était toujours fermée, qu'elle n'a jamais cherché à ouvrir, là, cette porte-là s'est ouverte d'elle-même. Les fenêtres également se sont ouvertes. Du coup, elle a commencé à entendre une voix qui riait. Mes frères et sœurs, une personne qui rit comme ça, même physiquement, là, faudrait que vous sachiez que c'est une personne, soit l'essentiel, ou encore le possédé. Parce que c'est pas normal qu'un homme rie comme ça. Et c'est cette voix-là même qu'elle entendait. Moi, je sais de quoi je vous parle. C'est pas un hasard si nous sommes ici sur un sur bon pour vous parler de sorcellerie, de satanisme. C'est parce que nous-mêmes, là, nous traversons ce genre de choses et nous savons traverser. Mes frères et sœurs, elle a entendu la voix, faut la voir, mais elle est traumatisée de la maison. Elle entend What? Même si c'est vous. Vous voyez les mouvements, vous voyez le vent, un vent glacial qui entre dans la maison. En même temps, vous entendez une telle voix. Quelle serait votre réaction? Elle a commencé à avoir peur. Et elle entend une voix qui dit: on est venu te chercher, tu nous as invoqué. Nous sommes venus te chercher. Nous sommes venus te chercher, tu nous as invoqué. Mais what? Où est-ce qu'elle les a invoqués? Est-ce que c'est le même jour? Non. Mais elle les a quand même invoqués ce jour-là. Elle ne pensait pas qu'ils allaient venir. Ils sont venus, ils ont répondu à son appel ce jour-là. Et voici, elle est venue. Voici, ils sont venus. Et elle a commencé à avoir peur. Parce que ça ne s'attendait pas à ce que ça se passe ici. Le pacte avec le diable, vous pouvez entendre, vous pouvez voir même les effets, vous pouvez voir comment ça se passe. Mais vous ne pouvez pas savoir exactement comment ça se produit. Est-ce que vous pouvez savoir? Est-ce que vous savez les conséquences de ce pacte? Est-ce que vous savez les conséquences de cette histoire? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez combien de fois des personnes ne tombent pas à cause de ça, même regrettent d'avoir signé des pactes avec Satan? Vous ne savez pas. Maintenant, elle est invoquée là. Voici que les démons là maintenant sont là. Elle a peur. Elle ne sait même pas comment réagir. La seule façon de réagir, c'est de faire quoi? C'est de prier. Et elle s'est mise à prier maintenant. Faut la volonté de prier. Elle a été de prier. Jésus, viens à mon secours. Tu appelles Jésus maintenant. Tu ne pourrais pas appeler Jésus-Christ pour venir à ton secours pour t'aider? Pour t'aider à avoir la richesse, c'est parce que Dieu ne bénit pas. Ou bien Dieu là, il ne bénit pas. Dieu donne le juste nécessaire d'abord. Mais il vous prépare jour et jour afin d'atteindre un niveau ou encore le niveau souhaité. C'est progressivement, ce n'est pas rapide chez nous. On travaille dur, on avance petit à petit. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on acquiert des connaissances, des savoirs qui vont nous permettre de garder la richesse immense que Dieu va nous donner après. Parce que sans ça, on va dilapider tout cet argent.
C'est pourquoi Dieu prend le soin de nous préparer et il nous donne quand c'est nécessaire. Si c'est que quand vous aurez l'argent, vous allez pécher, ou bien vous allez aller à l'enfer là. Plus tard, il ne va pas vous en donner rapidement comme ça. Il va vous préparer d'abord. Mais voici qu'elle a des problèmes, elle invoque Jésus. Comme Jésus est bon, Dieu est venu et il a réussi à chasser ses démons. Comme ça a été le cas, hein. Dieu honore toujours sa parole, hein, selon que quand vous l'invoquez, vous, quand vous faites des prières en son nom, il vient là. Donc Dieu est venu faire le travail. Après ça, il faut la voir maintenant en train de courir dans la maison. Courir aller où? Dans la chambre de sa soeur pour s'agripper là-bas. Parce que ce qu'elle vient de voir là, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Elle est étonnée, elle est dépassée, elle ne s'y attendait pas. Elle est vraiment, elle ne comprend pas. Est-ce qu'elle va raconter cette histoire à sa soeur? C'est possible. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a raconté cette histoire et plus de 1 million de personnes ont vu. Si vous n'avez pas vu cette histoire, c'est que franchement, bienvenue. Si vous êtes bon, nous allons vous raconter toutes ces histoires qui vont vous permettre de vous sauver la vie. De telles histoires réelles, il faut vraiment faire attention, il ne faut pas négliger de telles choses. C'est Dieu qui vient pour vous parler. C'est Dieu qui vient pour vous dire que dans ce monde où nous sommes, c'est un monde compliqué, c'est un monde dangereux. Parfois quand nous marchons avec un démon. Même ils nous demandent l'heure. Si vous n'êtes pas informé de cela, que vos yeux s'ouvrent aujourd'hui. Si vous ne savez pas que quand vous ouvrez la bouche, vous dites « Oh, moi je veux être comme ça, je veux être comme ça, ça a des effets. » Faites attention à votre bouche. Ce que vous dites là, c'est ce que vous attirez vers vous. Je vous dis ça toujours. Je vous ai dit ça. J'ai fait une vidéo pour parler de la puissance de la parole prononcée. Allez regarder la vidéo, vous allez comprendre. Si tu dis, je serai un jour président, et que tu insistes, tu vas finir par être président. Il ne faudrait pas que ça t'étonne. Mais si tu chantes une musique dans laquelle on dit sans cesse, ou encore dans laquelle on parle de révolte, ou encore on parle de la colère, ou on parle de choses mauvaises, comme par exemple quelqu'un dans une musique, il dit que lui il est prêt à aller se sacrifier, ou se tuer, voilà, se donner la mort, se suicider. Il dit que si la fille le trompe, lui il va aller se suicider. Et c'est dans la musique que ça se passe ainsi. Même dans la musique, on parle des choses mauvaises. Maintenant, vous êtes à la maison, comme vous aimez le beat, vous écoutez d'abord le beat. Le diable vous séduit par le beat, le son en bas. Plus tard, maintenant, il va maintenant vous séduire ou encore vous intoxiquer par les paroles de la musique. Et vous allez vous mettre maintenant à répéter les mêmes paroles de cette musique, sans savoir que pendant que vous êtes en train de répéter ces paroles-là prennent vie où? En vous, dans votre vie, pas immédiatement. C'est pas immédiatement, c'est ça. Si c'était sur le champ là, vous allez voir facilement. Mais c'est plus tard. C'est-à-dire quand vous aurez oublié là, c'est en ce moment-là que vous allez voir que ce que vous venez de faire là, c'est ça qui est à la base de vos problèmes. Mes frères et sœurs, danger. Ou bien il n'y a pas de danger. Ou bien il n'y a pas de danger. C'est bien. C'est bien. Quand on raconte, quand on racontait des trucs aux camarades, il y a plein de personnes qui viennent de la partie commentaire et ils écrivent des choses qui font rire. Moi, je dis ça fait rire parce que ce ne sont pas des trucs qui aident à construire ou encore à faire évoluer. La plupart du temps, il y a beaucoup de mauvaises personnes qui arrivent dans la partie commentaire pour faire des choses inutiles, pour pouvoir tout simplement désorienter le travail. Par exemple, si les sorciers savent que nous allons vous donner un message qui va vous sauver comme ce message, dans la partie commentaire, ils vont venir tout simplement parler d'autres choses pour essayer de nous désorienter. Mais on sait, vous ne pouvez pas nous distraire. Vous ne pouvez pas nous distraire. On sait. Dieu sait, Dieu il parle. Et quand il parle, nous, nos oreilles, là, ça entend, ça écoute. Et ça met en pratique ce que Dieu dit. C'est comme ça qu'il faut marcher.
Tu veux vivre longtemps sur la terre, il y a des règles. Il y a des conditions. Tu veux que ton étoile brille comme mon étoile, il y a des règles. Il faut savoir que les grands, les grandes personnes, les gens qui vont réussir là, ils traversent forcément des difficultés. Si tu ne veux pas traverser les difficultés parce que tu as vu que les personnes sont riches, sont célèbres, tu veux être riche comme eux, mes frères et sœurs, qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu sais si ces gens-là même ils dorment? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quand quelqu'un a vendu son âme au diable, premier élément, il ne s'appartient plus à lui-même. Parce que son âme n'est plus là. C'est un démon qui est en lui. Et il est surveillé 24 heures sur 24. C'est comme s'il se trouvait dans une prison. Il n'est pas libre de tout mouvement. Et il est observé par les gens du monde des ténèbres en permanence. Ça veut dire qu'il peut être là, quelque part comme ça, à tête de machin. Et immédiatement, il reçoit un message du monde des sorciers ou encore du monde de Satan. Il doit automatiquement faire quoi? Obéir. Du coup, il se met en même temps en mouvement pour à l'honneur ou encore pour le service du royaume du diable. Les gens pensent que quand ils vont vendre leur âme au diable, ce sont eux qui seront les seuls bénéficiaires. Les gens vont vous dire que c'est sans conséquence, c'est faux. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Mais qui vous a dit ça? Le diable, qui est celui-là même, qui était avec Ève dans le jardin d'Éden. Dites-nous, que s'est-il passé là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil là-bas? Le diable a dit quoi à Ève? Il a dit, ce fruit qui se tient là-bas, là, dès que tu manges ce fruit là, il faut savoir que tu ne seras plus la même personne. C'est parce que Dieu lui-même, il sait que si tu manges ce fruit là, tu seras une personne différente. C'est pourquoi il a dit non, il ne faut pas manger. Donc moi, je te conseille de manger ce fruit-là. En un mot, pour être plus clair, pour que les gens comprennent facilement, pour ne pas entrer dans les détails. En clair, c'est ce qu'il disait. Ça veut dire qu'il promettait quelque chose de bon à Ève. Et Ève également, elle a été séduite. Est-ce qu'on séduit les femmes facilement? Certainement, ça lui a pris du temps. C'est possible que les femmes soient facilement séduites. Mais ça m'étonnerait que c'était rapide. C'est-à-dire qu'il a été méthodique. Il lui a proposé quelque chose qui est censé être bon. C'est pourquoi elle a dit, je vais essayer et proposer également à mon mari. Quand le diable parle de la richesse, est-ce que ça ne plaît pas aux gens? Est-ce que avoir beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, est-ce que c'est pas beau? Bien évidemment, c'est beau, ça a l'air beau, ça a l'air intéressant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Ève au final? Au final, Adam et Ève ont eu des problèmes. Quand ils ont consommé ce fruit-là, ça leur a ouvert les yeux de la connaissance. Les yeux de la connaissance, pas du bien seulement, hein, mais aussi du mal. À cet instant-là, ils étaient donc condamnés à quoi? À mourir. Parce que c'était, ils ont désobéi à Dieu pour commencer. Et quand tu as toutes ces deux entités en toi, franchement, tu ne peux pas rester dans le paradis. Il faut avoir un seul. C'est pourquoi Dieu a été obligé de leur dire, c'est plus la peine. Vous avez désobéi, ce n'est pas de ma faute. Vous ne me direz pas que c'est moi qui suis à la base de vos problèmes. C'est vous-même qui avez cherché ce que vous avez cherché. Si seulement si vous m'avez écouté, vous n'aurez pas de problème. Et voici ce qui s'est passé. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Le diable n'a pas changé. Les siècles sont passés, les années sont passées, tout est passé, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Mais le diable n'a pas changé, ses stratégies sont les mêmes. Il ne changera jamais de stratégie. Il fera toujours la même chose. Toujours, 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 pour pouvoir avoir les enfants de Dieu, pour pouvoir vous conduire dans les mauvaises choses. Il va répondre les mêmes choses chaque jour. Chaque jour, les mêmes choses. Les mêmes stratégies.
Maintenant, vous qui ne voulez pas écouter Dieu, qui ne voulez pas persévérer dans la foi, vous serez dans les problèmes. Il viendra toujours avec les mêmes stratégies. Les témoignages puissants que nous traitons ces temps-ci, même le lundi et le jeudi prochain, vont encore nous révéler des choses extraordinaires. Et les choses que certains vont nous révéler, ce sont les mêmes choses là encore qui vont se dérouler dans d'autres témoignages qui vont venir. Rien que pour confirmer qu'effectivement le diable, comme Dieu ne change pas, le diable n'a pas changé sa manière de se comporter. Ça veut dire que le diable, il est toujours rusé, il est toujours méchant, et les pactes avec le diable conduisent tous à la mort. J'espère que vous nous voyez toujours. Là, on ne sait pas si la nuit est tombée. Je pense que nous vous avons dit ce qu'il faut pour vous aider, pour vous sauver. Pour vous sauver, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un monde compliqué, dans un monde vraiment mauvais. Si Dieu ne nous parle pas et ne nous révèle pas toutes ces choses, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dieu merci, aujourd'hui, vous avez tous ces éléments pour vous dire, mes frères et sœurs, sortez du péché, sortez du monde et venez dans la lumière en Jésus-Christ, en Dieu lui-même, qui va vous sauver. Que Dieu vous bénisse et que vous garde. Bon, je suis vraiment étonné et dépassé que la femme, la fille, ait fait réagir de la sorte. Mais ce témoignage est quand même édifiant. C'est pourquoi nous vous l'avons raconté. Si vous pensez que ça vous a touché, laissez un j'aime et nous verrons combien de fois vous avez été touché. Et nous donnons tout de suite rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va sans doute vous étonner. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Là, je sors faire des courses encore. Voilà. Je ne peux pas vous dire accompagnez-moi parce qu'il fait nuit. Sinon, vous m'accompagnerez dans une prochaine vidéo peut-être. Abonnez-vous et suivez-vous, vous en saurez plus.